C'est toi, ma petite Pocahontas? Grand-mère Feuillage, j'aimerais te poser une question. Bienvenue, mon enfant. J'espérais que tu me rendrais visite aujourd'hui. Oh, que vois-je? Le collier de ta mère! C'est à son propos qu'il faut que je te parle. Mon père voudrait que j'épouse Kokoum. Kokoum? Mais il est tellement solennel. C'est ce que j'ai dit. Mon père croit que c'est le droit chemin pour moi. Mais il y a ce rêve, c'est toujours le même et je crois que... Oh, raconte-moi ce rêve. Allez, je veux tout savoir. Silence! Silence! Alors, mon enfant, tu disais... Eh bien, je me promène dans les bois. Soudain, j'aperçois à mes pieds une chose qui tourne. Et ensuite, je vois que ce n'est qu'une flèche. Une flèche qui tourne? Voilà qui est curieux. Oui, et cette flèche va de plus en plus vite. Elle tourne, et soudain, elle s'immobilise. Eh bien, il me semble que cette flèche qui tourne ne fait que t'indiquer le droit chemin. Mais grand-mère Feuillage, quel est le droit chemin? Et comment savoir où il se trouve? Ta mère m'a posé exactement la même question. C'est vrai? Qu'est-ce que tu lui as dit? Que nous devons écouter. Tous les esprits du monde veillent sur toi. Ils vivent dans la terre, l'eau, le ciel. Et si tu les écoutes, ils te disent...